L'ortidien présent. Le concours. Bonjour, il est là le petit concours d'LCLDS. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le concours, l'annonce du concours. Enfin, j'ai à peu près fait le tri, j'ai pas fini de toutes mes cartes. Et donc j'en profite pour faire le concours. Le concours, donc plusieurs lots, plus que d'habitude évidemment. J'espère que ça vous fera plaisir. Donc plusieurs lots, je vais vous expliquer tout ça, on devrait s'en sortir. Et je vais donc commencer par vous présenter les différents lots évidemment. Alors, attendez. Oh là, il y a trop de cartes. Ah, c'est trop lourd. Ah, vous n'avez pas tenté. Ah mon dieu. Ah mon dieu. Ah, je cache tout. Ah, attention. Hop. Lot numéro 1. Évidemment, on reste sur les mêmes bases. On est évidemment sur les mêmes bases. Car il est important de rester sur les mêmes bases. Que c'est qui trouve ça lourd, lève le doigt. Moi, j'ai levé le doigt. Alors, le lot numéro 1 est tout simplement le lot des communes. Évidemment. Évidemment, on fait un concours, on reste sur les mêmes trucs. Donc, le petit lot des communes. Donc, somme toute assez classique. Puisque donc, c'est le lot des communes. Normalement, il y a tout. Enfin, c'est même sûr, il y a tout. Il y a toutes les cartes. Toutes les communes, c'est le lot numéro 1. Pardon, j'ai éternué. Donc, on a tout, tac, tac, tic. Regardez, les communes, il n'y a que Pikachu en électrique. Pif, paf, pouf, pouf. J'ai même mis, ça me fait un peu mal, mais bon, je l'ai fait. J'ai mis mes baveux. Voilà. J'ai hésité, mais je les ai mis. Donc ça, c'est le lot numéro 1. Pif. Retiendez bien, je ne vais pas le répéter. Hein. Ça, c'est le lot numéro 2. C'est donc évidemment... Les petites Zunko. Donc, normalement, il y a tout. Ça, c'est le lot numéro 2. Pif, paf, pif, paf, pif, paf, pouf. Pif, palif, paf, pif. Là, vous me direz, rien de nouveau, mes amis. Eh, ben, va te faire foutre, déjà. Et voilà. Je t'en smooch. J'ai même mis Ortide, hein. À l'envers, mais je l'ai mis. Voilà. Et voilà. Et c'est tout. J'espère que ça vous a plu. Au revoir. Non, je rigole. Le lot numéro 3. Le lot numéro 3, c'est ça. Eh, c'est coucou, hein. C'est quand même coucou, hein. Eh ben, le lot numéro 3, je n'arriverai pas à le présenter, mais c'est tout simplement un lot entier de communes. Youp. Et un lot entier de pas communes. Vous avez toutes les communes et toutes les pas communes dans ce petit paquet, mes amis. Paf. Ça, c'est le lot numéro 3. Le lot numéro 4. Le lot numéro 4, il est où? Le lot numéro 4. C'est lourd? Oui, je sais. Mais je fais ce que je veux. C'est ma vidéo. Le lot numéro 4, c'est tout simplement un lot de rares. De cartes qu'elles sont rares. Il est là. Donc on a le petit chafre, le petit persia, la petite cocotine, le gododo, le melofé, le cotocotocop. Voilà, il n'y a pas tout je crois, mais quand même, il y en a un petit lot. Ça c'était le lot numéro 4. Le lot numéro 4. Le lot numéro 5 maintenant. Le lot numéro 5. J'espère que vous retiendrez tout. Hein. Le lot numéro 5, mes amis, c'est ça. C'est ça le lot numéro 5. Eh, ça va être lourd à envoyer par lettre, hein, moi je vous le dis. Eh bien, le lot numéro 5, tout simplement, c'est un lot de cartes communes. Tu vois, comme ça. Et peut-être que tu as compris la logique. Est-ce que tu as compris la logique? C'est ça, le lot numéro 5. C'est ça le lot numéro 5, tu vois, il y a des petites communes comme ça, le mystère, tout ça. Des petites Zunko, comme ça, tu vois. Des petites Zunko qu'elles font comme ça, tu vois. Et là, je sais plus où j'en suis, je suis perdu. Eh, des petites rares, qu'elles sont là, regarde.
C'est le tétra! C'est le tétra! Fais coco tétra! Eh, je suis complètement débile, hein. Excusez-moi, mais bon, c'est comme ça. Évidemment, je mets. Donc voilà, ko and ko ra. Et les lots, plus augmentent, plus sont complets. Hein. Donc c'est-à-dire que le lot de rares, tout seul, il y a moins de rares que dans celui-là. Mais voilà. Ouais. Ça, c'est lot numéro 5, je crois. Oui, c'est ça. Le lot numéro 6, c'est donc évidemment les holos. Eh ben, les holos, regardez, il n'y en a pas beaucoup. Regardez, Melmetal, Demeteros, et Amphinobi, c'est tout. Le reste, tu vas te faire foutre. Ça, c'est le lot numéro 6. Mais, attendez, c'est pas fini. Parce que regardez, j'ai un lot numéro 7. Et t'as compris la logique? Ah, excusez-moi, il est trop lourd. T'as compris la logique du lot numéro 7? Bah oui, c'est tout ça le lot numéro 7. Bah oui. On est là pour se débarrasser des cartes, tout simplement. Bah dans le lot numéro 7, t'as compris la logique. Il y a évidemment des petites communes. Elles sont là, regarde. Voilà. Il y a même Mister. Regarde, il est là. Pim, poum. Je te l'ai mis, c'est cadeau. Il y a ensuite. Il y a ensuite, évidemment, elles sont où? Pidali-dali-lalou. Pidali-dali-lalou. Hop! Un petit lot de Nko. Il est là. Pief. Ça, c'est le lot numéro 7. Mais dans le lot numéro 7, il n'y a pas que ça. Non. Eh non, mon gars. Dans le lot numéro 7, il y a aussi les petites rares. Regarde, il y en a beaucoup plus que tout à l'heure. Elle est beaucoup plus complète. Beaucoup plus. Regarde, il y a même lui. Il y a même lui. Il y a même. Regarde, il y a même. Il y a même lui. Eh ouais, mon gars. Il y a même. Regarde, il y a même lui. Et il y a même les deux là. Il y a même lui, l'immonde. Il y a Tartare, il y a tout le monde. Il y a tous les copains. Quasiment. Boule de nœud, un peu de fleurs, un gommé de papillusion. Il y a même papillusion. Ça, c'est le numéro 7. J'ai du mal à respirer. Et ça, c'est le lot numéro 7 en quart. Regarde, regarde, regarde. Il y a des météros. Il y a Melmetal. Il y a Togekiss. Il y a lui, ça me fait très mal de vous le mettre celui-là. J'ai très hésité longtemps. Hamahama, Volcanion, Lucario, Kyurem, Lucanon, Amphinobi, Porygon Z. Ça, c'était le lot numéro 7. Le lot numéro 8, t'as compris? Bah, c'est toutes les ultra rares. Et le numéro 9, c'est toutes les cartes de la série. Eh ben non, faut pas déconner. Donc, le lot numéro 7, vous avez tout. Toutes les communes, toutes les peu communes, la plupart des rares et quelques holos. Ça, c'est le lot numéro 7. Le lot numéro 8 et dernier lot, c'est tout simplement un petit booster de Pokémon, le film Je te choisis, et une petite ultra rare qui n'est autre que Aerome GX. Donc ça, c'est le lot numéro 8. 8 lots, 8 gagnants. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il faut que vous soyez au moins 8 à participer. Si vous êtes moins, c'est la merde. Si vous êtes moins, c'est la merde. 8 participants, 8 lots. Donc, je rappelle, le lot numéro 8, c'est donc ce que vous voyez à l'écran. Donc, Aerome GX et un petit booster avec donc 3 Pikachu dedans. Le lot numéro 7 n'est autre, qui a peut-être plus de valeur, c'est même sûr, qui a plus de valeur que le lot numéro 8, en termes monétaires, en termes de l'argent. Tu vois que ça fait des sous. Le lot numéro 8, vous avez donc les communes, les peu communes, des rares et des holos. Ça, c'est le lot numéro 7. Le lot numéro 6, vous avez 3 holos. Le lot numéro 5, vous avez toutes les communes, toutes les peu communes et des rares. Le lot numéro 4, vous avez des rares. Le lot numéro 3, vous avez toutes les communes et toutes les peu communes. Le lot numéro 2, vous avez toutes les peu communes. Et le lot numéro 1, vous avez toutes les communes. Voilà, 8 lots, 8 gagnants, etc., etc. Alors, pour participer, c'est comme d'habitude, vous m'envoyez un mail. Concours de l'obtidien@gmail.com, c'est extrêmement bien fait. C'est extrêmement bien fait. Et de plus, vous dans ce mail, vous me dites pour quel lot vous participez, en sachant, mes amis, que vous avez le droit de participer à tous les lots. Donc, vous pouvez dire, je participe à tous les lots. Ou, vous pouvez dire, je participe à tel lot. Il y a 8 lots, donc appliquez-vous si vous choisissez les lots. En sachant évidemment que si vous avez la série, vous avez déjà les communes peu communes, bon, laissez la chance aux autres qui n'ont pas du tout cette série. Comme d'habitude, je fais appel à votre bienveillance. Ça, c'était pour dire. But, what it's different that the others concur?
La différence, c'est que vous avez bien vu, il y a des lots qui se répètent. Hein, il y a des cartes en double. Donc, ce que je vais très certainement faire, c'est que je vais commencer par le lot avec bah, tout le lot 7, donc toutes les cartes. La personne qui va gagner toutes ces cartes sera enlevée, car elle ne va pas gagner les autres lots. Ça serait con, puisqu'elle a déjà les cartes. D'accord? T'as compris? Donc, voilà. Donc, je vais très certainement faire du lot 7 au lot 1, et après le lot 8. Et au lot 8, je vous remettrai tous ceux qui ont dit que je participais, évidemment. Mais si vous gagnez le lot 7, vous ne pourrez pas gagner les lots d'après. Si vous avez gagné le lot 6, vous ne pouvez pas gagner les lots d'après. Si vous avez gagné le lot que de rares, ou que de lots, oui, vous avez le droit, après, de jouer pour les autres. Ça, il faudrait que je réfléchisse, mais oui. Ce qu'on fera, imaginons que le gars qui gagne le lot des rares, et qu'ensuite il gagne le lot des rares, des communes et des peu communes, et non. Bon, on va se démerder, on va trouver. Enfin voilà, vous avez compris, je veux pas de doublons, quoi. Je vais pas vous envoyer deux fois les mêmes cartes, je vais faire gagner d'autres gens. On se démerdera, on va s'en sortir. Donc, concours de l'ortidia@gmail.com. Le concours arrivera je sais pas quand, on verra. Je parle du résultat. Et voilà, n'hésitez pas à participer, surtout. Je vous dis à bientôt, au revoir.